Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je sors de quelques petits soucis de santé, donc je me remets petit à petit. Je vais tout d'abord vous faire un petit retour sur la deuxième édition du Salon Sud Tradition qui s'est déroulée à Saint-Gilles dans le Gard le week-end du 20 et 21 avril dernier. Que dire? Un week-end de folie entouré de mes deux amis, Monsieur Danny Henting et Monsieur Cardona Olivier, sans oublier tous les autres bien sûr qui sont bien nombreux. Avec de superbes rencontres comme notre boss Monsieur Willy Schran et un de mes idoles, Monsieur Lavi Philippe alias Filiou. Et tout cela grâce à qui? Eh bien grâce à Ramzy et sa compagne Manon, sans oublier bien sûr tous les bénévoles dont tous les influenceurs nous avons fait partie. Cette édition a été incroyable, avec près de 20 000 visiteurs plus 4 000 enfants, soit le double de la première édition. On peut tout simplement dire que cela va devenir un rendez-vous incontournable dans notre sud natal. Voilà, j'aimerais maintenant un max de likes pour toute la team Sud Tradition et notamment Ramzy et sa compagne Manon, car ils le méritent tellement. Maintenant, venons-en à la vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire car j'ai vécu tout simplement une action de dingue. Avec le tir d'un sanglier dans mes pieds suite à un joli ferme. Puis le tir d'un autre sanglier au poste également. La suite, je préfère tout simplement vous laisser la découvrir. Dernière petite chose, les amis. Pour tous ceux qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés, sachez que c'est très important. Déjà d'une, cela vous permet d'être au courant à chacune de mes vidéos mises en ligne en activant la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Deuxièmement, c'est gratuit. Et troisièmement, ça permet à l'algorithme de la chaîne à grimper, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage à tous les amis et je vous dis à bientôt. La bise! On se retrouve à mon poste, un poste que vous connaissez très bien car l'an dernier, j'ai pu y prélever un magnifique Kyler de 86 kg. Les chiens ont déjà levé plusieurs sangliers depuis plus d'une heure. Un sanglier m'a passé bien au fond que je n'ai pas pu tirer. La suite en image. Je tiens à préciser encore une fois qu'à ce poste, je suis tout seul, donc j'ai un tir franc sur toute la lignée, car je suis tout seul sur ce côté de la traque. C'est bon, il y en a un de mort. Malheureusement, je mets une balle un peu arrière sur cette jeune femelle de 35 kg et j'irai rapidement abréger ses souffrances. Nouvelle journée, nouvelle battue, on se retrouve au poste avec mon père qui est posté juste dessous moi à 200 mètres. Les chiens se mettent aux fermes devant moi, la suite en image. Il y a un vide.
Direction mon poste. Viens et ferme tout à moi, Sonic. Petite info, ce jour-là, j'inaugurais ce nouveau poste, ou plutôt cette zone, car nous ne savions toujours pas laquelle des drails était la plus fréquentée pendant les battues. Le chef de battue, qui est le tracker aujourd'hui, me demande de me déplacer juste derrière le ferme, au taki-walki. Jannick, passe par derrière, à ta droite, à ta droite. Je suis juste derrière le ferme. C'est bon! Attention! Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs! Il y en avait deux! Attention, papa! Attention! C'est bien! Doucement, Anouba! C'est bon! Attention!